et c'est un 19h sport un peu exceptionnel puisque nous allons être dans quelques instants en liaison avec Yannick Belstaven, le skipper Rochelet, vous le savez, toujours dans le groupe de tête du Vendée Globe. Yannick Belstaven, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Ouais. Alors, on se souvient de vous le 18 janvier dernier, nous annoncer que vous n'aviez plus un bateau capable de jouer les premiers rôles. Est-ce que la situation a changé ? Oui, c'est vrai que la situation est un peu handicapante. C'est un bateau qui est un peu abîmé depuis le Cap Horn. Mais ce qu'on voit sur les derniers classements, c'est que j'arrive à tenir le rythme des quatre premiers. Donc je suis toujours dans le match. Donc le podium est toujours jouable. Donc vous avez de nouveau les moyens de lutter. Vous l'avez dit également, les conditions sont très difficiles. Comment ça se passe en ce moment là ? Vous traversez quel type de temps et comment vous voyez la suite de ce Vendée Globe jusqu'au Sable d'Olonne avec beaucoup de manœuvres en perspective, hein ? Voilà, pour l'instant, on est toujours dans la fin de la visée, là. Toujours un vent de 15-2. Après, il va falloir traverser l'anticyclone... pour se mettre dans son nord et attraper les premiers fronts des pressionnaires. Et après, on va avoir du vent assez soutenu, avec des manœuvres à faire. Et voilà, c'est des conditions qui me plaisent plutôt, parce que vu la garde-robe de mon bateau, vu ce que j'ai, c'est là où je devrais le mieux m'en sortir. Donc c'est bien qu'il y ait du vent pour aller plus que sable. Yannick Belstaven, on vous sentait bien sûr très abattu lorsque vous avez annoncé les difficultés, les problèmes que vous avez eus sur votre bateau. Est-ce que vous avez retrouvé un peu le moral, un peu la niaque ? Oui, la niaque, je l'ai toujours eu. C'est vrai que j'étais un peu abattu parce que je suis resté longtemps aux avant-postes du Vendée Globe. Entre les problèmes mécaniques depuis le Cap Horn et puis... le manque de vent que j'ai eu au large du Brésil, ça commençait à faire beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu dur à assumer de se faire rattraper et doubler. Mais voilà, maintenant je suis passé de la position de chassé à chasseur, même si mon bateau n'est pas à 100% du potentiel. Il y a quand même des coups à faire. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment de vivre un Vendée Globe historique ? Après 74 jours de course, on vit quasiment une régate dans les derniers jours. C'est vraiment n'importe quoi, ce Vendée Globe. Bah oui, c'est du jamais vu. Alors, c'est sûr que c'est excitant, c'est pas excitant, surtout à terre, je pense. Sur l'eau, c'est dur parce que physiquement, moralement, c'est stress. Il y a du stress, il faut toujours attaquer. Alors qu'après 74 jours, les skippers sont fatigués, les bateaux aussi. Donc, le curseur au bon endroit. Donc c'est vrai que d'ici l'arrivée au sable, il peut se passer encore beaucoup de choses sur ce marathon qu'est le Vendée Globe. Donc c'est vrai que c'est un Vendée historique avec si peu d'écart et autant de bateaux qui peuvent jouer encore la guerre. Alors, est-ce que vous avez quelque part dans le coin de votre tête ces fameuses 10 heures de bonus temps ou est-ce que vous n'y pensez pas trop ? Non, je sais que je les ai, mais j'y pense pas du tout parce que je préfère pas faire de calcul et c'est trop compliqué là de compter quoi que ce soit parce que ces bonus, elles compteront qu'à partir du moment où vous aurez passé la ligne d'arrivée. Donc on s'en occupera après la ligne d'arrivée. Quoi. Encore une question sur effectivement la course et les skippers de Nouvelle-Aquitaine que nous suivons tout particulièrement et notamment bien sûr en même temps que vous, Arnaud Boissier, on sait que vous êtes pote. Voilà, il vous avait salué lorsque vous aviez passé le Cap Horn en tête, vous félicitant de votre course, vous disant quoi qu'il en soit, ton Vendée Globe est réussi. Vous avez une petite pensée pour Arnaud, vous échanger ensemble, comment ça se passe ? Ah
bah ouais, carrément, avec Arnaud, on échange, on s'appelle, on s'envoie des messages. Je lui ai même demandé des conseils lorsque je suis passé dans la grosse dépression au Cap Horn. Parce que c'est vrai qu'il a une grosse expérience du Vendée Globe. Il les a tous terminés et il en a fait 4. Donc, voilà, ouais, Arnaud, je pense souvent à lui. J'ai encore envoyé un message hier, savoir comment allait son moral. Et donc, ouais, carrément, ouais, c'est bien qu'on soit tous les deux acquittés encore en course, parce que c'est terminer un Vendée Globe, déjà, c'est un très très beau résultat en soi avant de parler de résultats sportifs. Est-ce qu'il vous tarde maintenant, Yannick Bestaven, d'arriver au Sable d'Olonne? Est-ce que vous commencez à sentir l'odeur de la terre un petit peu, ou est-ce que, bon, pour l'instant, vous n'y Oui, pensez je me pas, vous êtes tarde, en ouais. mode C'est un vrai petit peu que. warrior? Bah non, je suis toujours en mode warrior, ça c'est sûr, mais il me tarde d'arriver, ouais. Ouais, il me tarde d'arriver. La solitude est sympa, mais bon, voilà, j'ai envie de voir la famille, les amis, de serrer tout le monde dans mes bras, de reprendre une vie de terrien. Donc, voilà. C'est le paradoxe des marins, quand on est en mer, on arrête d'arriver à terre, et lorsqu'on est à terre, nous sommes de repartir en mer. Merci beaucoup Yannick Bestaven d'avoir été avec nous. Donc on l'a bien compris, vous ne lâchez rien. Vous avez maintenant la position du chasseur, une situation qui vous va bien avec donc des vents et des situations météo qui vous sont plutôt favorables. Donc encore une fois, ce Vendée Globe passionnant n'est pas terminé. Merci beaucoup Yannick Bestaven de nous avoir accordé ces quelques minutes. 19h sport se poursuit. Tout de suite, le sport amateur 100% féminin, reste avec nous.